Ok, alors jour 1 du tournage, c'est un test pour voir si ça enregistre bien. Là, là, Comment vous partagez ces 2 ans de travaux sur ce projet? C'est la problématique qui s'est posée quand j'ai essayé de réaliser ce making-of. Comment vous rendre compte de cette fabuleuse expérience? J'ai tenté d'utiliser diverses formes. Interview, le montage d'une série, des podcasts, non. J'ai toujours été bloqué par un manque d'images, de matière exploitable. Alors, plutôt que de ne rien faire et de devoir un jour supprimer les 3 téras de rush présents sur mes disques durs, je me suis dit qu'il fallait à tout prix conserver une trace de ce qui avait été pour moi hyper important. Tant pis pour la transmission, ce making of prendra du coup la forme d'un espèce de film de vacances. Vous y découvrirez les équipes, les fous rires, les difficultés, l'attente. Et ce film, il débute bien assez tôt, en 2020, avec l'écriture à 5 d'un scénario. Puis la pré-production, où là on a dû travailler sur des plannings, sur le casting, mais aussi sur tout ce qui est repérage, installation. Salut Henri, c'était juste pour te dire que j'ai reçu le scénario et tout, j'ai tout lu, genre là maintenant en 1h, 1h20, truc comme ça. Franchement choquée. Ah vraiment, la fin elle m'a choquée déjà. Et franchement, c'est incroyable. Après, je pensais que ça allait, je pensais que c'était moins centré sur le groupe de jeunes, tu vois, que c'était plus le monde, mais en fait, je trouve ça trop bien. Vraiment, genre, je trouve que t'as, mais quoi? En plus, Lucie, moi, je la trouve complètement folle. Genre, elle est trop impulsive. Genre, des fois, elle m'énervait vraiment. J'étais là, mais arrête! Mais franchement, c'est trop bien. Vraiment, je le trouve incroyable. Genre, c'est trop bien. J'adore. Du coup, j'ai terminé le changement. L'idée, c'est de dire que la scène de fin de nuit, on la passe après des scènes de début de soirée en forêt à Saint-Vincent. Mais du coup, il faudra qu'on s'appelle pour avoir les temps de transfert et tout. Fin. Je t'ai exclu, je t'ai exclu, je t'ai exclu. J'étais bien niqué. Oh, lampe torche. Les lampes torches, mais c'est moche. C'est moche, les lampes torches. Alors là, j'ai vu la Vierge. J'ai vu la Vierge, elle était là. Non, je déconne, je vois jamais ce genre de choses en plus. Non, non, pas du tout, j'avais pensé... Oh, lanterne. Il y aurait 1000 choses à vous raconter sur ce tournage. Pourtant, aucune n'arrive à sortir. Et je crois que même si je la racontais, elle ne vous parlerait pas. Face à l'absence de matière, j'ai choisi de compiler des rushs, bout à bout. Audio, vidéo... qui, pour moi, font sens. Vas-y, monte pour voir. Monte pour voir Baptiste. Monte pour voir. Pareil, c'est rapide. Ouais, ok. attends, il faut que je te donne les... J'ai pas énouvé des poils non plus, hein. Voilà. Toi, sois moins dramatique. Ah ouais, je te... Ceci est une des rares vidéos où l'on voit des gens en avoir plein le cul. Okay. Et quand tu dis reviens, tu fais peut-être d'abord ton... C'est quoi les artisans locaux? T'as 2 pauvres feuilles. Ah, sas, et... j'aime. Ah oui, ça c'est super drôle. Là, la simplicité, vert. Autrement. Il y a rec et il y a le point rouge. Ça va? Oh! Ah bah oui, je voilà. Passe ou pas? Vas-y. Oh putain, mais dans le. Il y a un truc de fou. Oh, c'est le dernier. C'est le plan le moins fluide de l'histoire, mais il faut savoir que je me prends le mur. Là, je perds le focus. Comment? Je sais pas si on le retrouvera le jour. C'est Alban, il me provoque des sensations comme ça. Alban, tu me fais perdre le focus. Ah bon? Oh putain! Oui. Je t'ai fait perdre. J'aperds mon focus quand je te vois, mon Alban. Ah, attention, et là, tu t'envoles. Tu t'envoles. Je savais que t'avais un ego monstre, tu t'envoles. Non! Poursuis la caméra.
Regarde, tu lui cours après. Cette histoire d'amour merveilleuse qui t'attend, mais qui t'échappe. Qui t'échappe, hélas. Sur. Ah, d'abord, il faut arrêter là. Attends. Il faut que je parle avec Max. Non. Max. Convoqué chez le directeur. Ça va chier, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto comment se servir d'un sac plastique. Alors. Mais c'est bon. Ça fait quoi? Mais merde, what? Okay, attendez, j'arrête. J'arrête. Monsieur, j'arrête. Vous êtes prêts? Ah, mais y a un problème. Si on doit ouais, redescendre, on viendra vous aider à les faire redescendre. Vous les allez, moteur. Henri, il y a une voiture qui arrive. Est-ce qu'il faut Non, oui, vous ne coupez pas. Ça va durer 20 minutes. Mais dites-leur qu'ils peuvent passer. C'est excitant, l'illégalité. Quoi? C'est excitant, l'illégalité. Ah. Excusez-moi, je m'appuie sur toi. Vas-y, on fait l'annonce. Faites l'annonce pendant que... Plan 5, scène 1.6, prise 1. Stop. J'ai pas vu. En fait, on la voit pas, c'est dégoûté. Je vois pas, c'est pas... Ça suffira. Oh, putain. Non, je parle pas. Henri, t'es devant. Ouais, mais ça fait pas d'ombre. Des silences. Allez, silence, s'il vous plaît. Right, bud. Parle pas. Silence. Ready? J'ai pas la jambe. Henri. Oh, mon Dieu. Tu veux avaler et je te refais la compote? Avale. C'est pas mes temps supportables. Allez. Je sais plus où t'étais, comment t'étais. Allez, silence, silence, s'il vous plaît, c'est une scène compliquée. Chut, à la bouche. Et, silence. Oh non, s'il vous plaît. Ça y est, c'est parti. Okay. D'accord. Putain. Ça tourne, hein. Il nous a alors, dit ça tourne, mais on commence dans 20 minutes. Ah, alors bonjour, bienvenue sur le tournage des Lanternes de la Résistance. Donc là, nous sommes en train de tourner la. T'as encore vite, t'as le son. La 1.4. Ah, bah oui, j'ai le son du coup. Ah, super, vous me perchez, j'adore. Excusez-moi. Oui. Allez, je du coup, je vous expliquais qu'on tourne la 1.4. Imaginez avec les casquettes, avec les hélices au milieu. Si quelqu'un peut me... Je vais faire un cadeau de Pitchy pour me subventionner une de ces certaines casquettes arc-en-ciel avec une hélice sur le crâne. Ça me ferait beaucoup de joie. Hey Kevin, range ta bulle. Bonjour à tous, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, comme j'expliquais depuis la 8e fois, nous sommes en train de tourner la soirée. Ah oui, de c'est 1. Vrai. 1.4 des lanternes de résistance. Santé. C'est qui se marrait du coup? Je suis l'idée, tu fais ce que je te dis. Donc on trinque. On trinque. Donc, tu regardes dans les yeux quand on trinque. Oui, oui, oui. Voilà. Vas-y, le attendez, coupez, on a perdu le point. C'est bon. On l'a fait. J'ai entendu. Je suis l'idée. Donc quand je te dis on trinque, c'est on trinque. Les yeux. On croise maintenant? Ah bah non, on croise pas, vieux folle! On croise et on fait un tour sur nous-mêmes, c'est comme ça! Alors, s'il est prêt, vous dites, pourquoi est-ce qu'on donc, trinque? Dans c'est la 7 scène. Ans de mauvais sexe, vous m'entendez? 7 Lydia ans de mauvais sexe! Et Mila. Ouais, pour sexe. Ne croisez pas, regardez dans les yeux et ne faites pas les fous! La carte de l'idée, c'est nickel! Tu sais qu'il arrive en me disant on tourne, et moi j'ai pas. Mais en fait, Henri, il a dit on tourne, mais du coup on tourne pas! Les mots sortaient comme ça. Il est au bon endroit. C'est bon. Parce que c'est moi je dis Adrien on avait expliqué avant de trois petits. Non, voilà. C'est bien ce que j'avais compris. Bah oui, mais ça je l'ai dit au début. Oui, si, oui Adrien en avait parlé avant ouais. De mais c'est l'autre page. En fait, je m'en vais. Il m'a regardé avec un tel vide dans les yeux. Bah alors déjà, on peut coller. Ça va être les mecs.
Allez. Alors branche un peu plus. Alors ça c'est le vent. Non, le vent. Allez. C'est une belle imitation. C'est bon. Tout à l'heure la mandarine sauvage m'avait plu aussi. Pas sympa que. Non, elle est pas sympa. Je l'ai rencontré en J'ai filmé. Oh non. Disparition. Et heureusement pour nous. Heureusement, sinon. Laissez-la s'éteindre, putain! Laissez-la! Les ancêtres sont mecs! Qui... Qu'est-ce qu'il a, Baptiste? Il a rien de Je sais pas, tu sais, comme tu récites, genre vraiment faut que ça fasse plus, genre réciter pour le coup. Faut, genre... Bon, prise 3 parce que Baptiste fait chier, voilà. C'est Alban qui a dit Baptiste, te donne son avis alors. Moi je faisais rien du tout. Voix off. Cette belle chaise. Ta gueule. Non, non, il regarde la chaise, ça veut dire c'est pas bien, c'est toi. Voix off, Jonathan. Prise 3. En fait, la pince à linge est cassée, comme disaient les Incas. Pince à linge qui plie, vos yeux sont ébahis. Il n'y a pas quelqu'un, bâtard, qui a un sèche-linge. Non, j'arrête. Il m'a pris pour Christian Clavier, quoi. T'as Christian Clavier, il a fait Sciences Po. Donc j'ai toutes mes chances. Aïe, aïe, aïe. Bah après, quand tu vas son bord politique, tu comprends mieux. Oh. Action. Du coup, voici ma caravane de résistante. Attention, on a déjà perdu hein, putain. Mais non, mais une caravane là, on va pas mettre ça dans le plan. Elle a pas dû couper. C'est des résistants en vite. Oh merde. En vrai, j'ai une idée. Ça, t'étais sur la gauche, t'aurais pu traverser, aller sur la droite et filmer l'autre côté. Et là, t'aurais pu nous suivre jusqu'à perpète. Ouais. Voilà. C'est jamais personne qui a apprécié mes idées. Je fais ça dans ce bon roi. Là, vous faites des billets. Oui, oui. Oui, je gère. Vous êtes prêts? Ouais. Oh, regarde. Ah non. Aïe, aïe, aïe. Ils sont, ouais. Finalement, non. Ils ont... Encore, Oriane. Vous avez une tatouille. Aïe, aïe. Bah, du coup, quel bâtard. Allez, mets-les à sécher que tu tombes demain. Oups. Oui. Ah, trop bien. Plan 3, scène. Faut apprendre ton taf, hein. Plan 3, scène 3.9, prise 2. Bonjour à tous. L'envers du décor d'un cinéma, c'est aussi ça, faire sécher le sol lorsqu'on le mouille pour nettoyer du faux sang. Action! Tout est sous contrôle. Du mat, s'il vous plaît. C'est censé terminer à 2h. Ah non, c'est 6h. Non, 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 pas du tout. Moi, j'habite au-dessus. Vous savez quoi, là, il est 4h du mat, j'ai envie de dormir. L'arrêté municipal est là, si vous voulez.
Bah, oui, mais là, on a fini la scène. Vous savez, en fait, on a eu l'autorisation du maire, donc on a eu l'autorisation du maire. Oui, mais moi, j'en ai rien à foutre du maire. Mais non, c'est mais juste la fin de tournage, dans 30 bon. Secondes, il n'y a plus. Oh là là, oh là, là, là il faut se calmer, là. Ça serait incroyable. Qui a le feu au cul que je l'éteigne? Pourquoi t'as de répondre, mais t'es drôle. Non, c'est pas très drôle. Non, moi c'est pas mon dernier, j'en ai encore deux après. Alban, est-ce que t'en as un peu trop chaud? Je veux pas que t'éteignes le feu. Ah, tu vois, c'est tous les actes. Moi j'avais été sur... Ah mais oui, mais je suis pas Tarantino. Ah bon? Ça c'est vrai. Mais pourquoi je suis là alors? Je suis sûr que Tarantino, sa maman, elle a fait des débriefs après les premières. Oui, oui, Adrien, on a parlé juste. Voilà. Ben c'est génial. Parce que comme ça, déjà, d'une, on peut vendre sans forcément connaître les mecs. Parce que normalement je suis censé dire un truc qui correspond à ce qu'elle dit à moi. Bon, qu'est-ce que je dis? Ah oui, Adrien, on avait. Ah oui, allez, on reprend. On reprend à ah oui, Adrien, on avait parlé. Avant de. Ben, je l'ai mal fait. Je sais pas. Ah ben j'ai cru que t'avais bégayé. Non, c'est avant. Non, non, mais en fait, avant deux, trois petits. Quelque chose trop bien. Ah, ok. Okay. J'avais une vraie émotion là. Ok, pardon. On coupe pas, on coupe pas. Et action. Oui. Oui. Allez, concentration s'il vous plaît. On va pas y arriver. C'est. Oh, c'est mort là. Allez. Ok. Et action. C'est sale, l'écran. Elle a plus pas sur le clavier. C'est bon. Mais tu t'en sers bien, non? Ah oui, oui, Adrien m'en avait. Il m'a expliqué. Mais c'est super. Parce que comme ça, les gens nous commandent directement, sans avoir à nous connaître. Et en plus, bah, on s'est hébergé notre clientèle, quoi. C'est pas un salon de coiffure, non plus. Oh, regardez le prix des alcools sur les autres sites. Ouais, bon, ça reste cher, hein. Ils se font une belle marge, hein. 50 francs, 50 nouveaux francs, les bouteilles. Wow. C'est deux fois moins cher qu'un Monop. Wow. Je crois que c'est bon. Mais c'était super simple. Non, mais en fait, mais c'est super, mais c'était super simple. Allez, on coupe. Allez. Envers nous. Et ce connard n'arrête pas de rigoler. C'est pas moi, c'est lui. Ah non, l'affaire qui me convulse. Je pense quand même pas arrêter le métier. Une courageuse comme toi, que je te cite en exemple tout le temps. Hein? Vous allez rien en faire de cet enregistrement. Ça va juste faire rire en vrai. Alors, en fait, on va juste le poser sur... S'il vous plaît. Donc tu lances un... Bah du coup, il nous fait une crise d'autorité. Tu lances un dernier regard dehors. Dis-toi que c'est le final. J'entends Jacques Cassé, ouais. arrête, mais il ne sait dire que c'est... Allemand, ça suffit. Entre l'autre connard qui danse et la meuf. Stop, concentré. Mais on est concentré. Non, on n'est pas concentré.
Et en plus, on voit les bretelles de soutien-gorge, mais alors ça, c'est non, mais... ces épaules, ah, c'est carrément décadent, ça. Dans 10 ans, la mode, ce sera de déballer là, le ventre à l'air. Tu veux que je te l'ai... Il y aura du monde au balcon tous les jours, c'est un film. Je n'arrive plus à parler. Ça m'émoustille, ça m'émoustille. Dis donc, Jacques. Oui, parfaitement. Mais je l'avais, c'était Esteban, en fait, Esteban, il s'avère que c'est notre conducteur.